مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه تلخيص ديال لو شابيتر 23 دو ديرني جور دان كونداني. دونك بوندون سو شابيتر خلال هذا لو شابيتر لو ناراتور اي ترانسفيري او بالي دو لا جوستيس لا كونسيرجوري، يعني الراوي تم تحويله الى سجن اخر يسمى ب لو بالي دو لا جوستيس او لا كونسيرجوري كذلك. Il a été déposé dans un cabinet attenant à celui du directeur de la prison, puis Zinzana Mujawirani Maktab al-Mudir al-Mudir al-Sijner. Donc, il s'est endormi, brusquement un éclat de rire l'a réveillé et n'était plus seul dans la cellule. Donc, nam les bédat d'Akhaer ou Fajatan, Aïkadaro ou Sekada ala Dahik li Sharsimba, donc la Namiakun Wahidan, puis Zinzana. On a déposé avec lui le khiosh. Wada'u ma'ahu le khiosh. Le khiosh, c'est-à-dire l'aura l'amie des sijn, un condamné à mort. Donc le khiosh, c'est-à-dire l'argot des prisonniers. L'argot des prisonniers, ça veut dire l'amie des sijn. Le khiosh est un vieux condamné d'environ 55 ans. On voit Charles Kabir, le roule t'akriban, khamsor khamsmoun sana. Dégoûtant et repoussant. Mokref wa moutir li shmi'zaz. Il est l'héritier du narrateur, ou al-Walid Diel, le narrateur. Chaque akhar, al-Walid Diel al-Rawi, yani saufa yarisu zinzanat al-Rawi fi Bicêtre. Yani, chaque akhar, le frioche va être transféré à Bicêtre, saufa yatimu tahwiluhu li sijn Bicêtre. Donc, le frioche raconte son histoire au condamné, yahki qissatahu li al-Rawi. Donc, le frioche, c'est un fils, ou bien le fils d'un criminel condamné à mort ou à tafl, li mujrim hukima alayhi bil edam, ou tamma hukma alayhi musabakan ou sabiqan bil edam. Donc, orphelin dès son plus jeune âge, à 6 ans. Donc, asbaha yatiman, mundu tsigari sinni, yani fisin sit sanawat. Il a été condamné aux travaux forcés à l'âge de 17 ans. Donc, حكم عليه بالأعمال الشاقة في سن 17. Libéré à l'âge de 32 ans. في سن 32. Donc, أخرج من السجن. Le frioche a été marginalisé. بعد ما خرج الفريوش من السجن. Donc, il a été marginalisé. كان مهمشا أو هميشا est rejeté ou refusé par la société Mtaraf Mouchama à cause de son passeport jaune qui signifie un forçat libéré. Il a récidivé. Il a récidivé, ça veut dire اقترفa jarima okhra. Donc ça s'appelle la récidive. La récidive, yani tiraf jarima okhra ba'd hada mudda mu'ayyana fi al-sijn. Donc il a volé du pain et il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Donc les maratania, donc tsarf jarima tsania liya, il a volé du pain, yani sarafa khobz. Donc, bien sûr, et il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité ou hukima alayhi bi amal shaqa mad al hayat. Le frioche s'est enfui de la prison. Yani, le frioche, donc il a commencé à voler et tuer pour vivre. Donc bada'a fi sariqa wal qatl min ajl an ya'ish min ajl al hayat. Donc il a été arrêté et condamné à la peine de mort. Donc تحبس للمرة الثالثة وحكم عليه بالإعدام. Donc la visée de ce chapitre. À travers l'exemple du frioche, Victor Hugo veut montrer la grande responsabilité de la société dans la formation des criminels. Donc à travers مثال ديال هاد الفريوش الكاتب فيكتور هيغو كيحاول يبين المسؤولية الكبيرة ديال المجتمع في تكوين المجرمين. Ce récit est considéré alors comme un argument contre la peine de mort. Il y a le récit de le frioche, il y a un récit de la peine de mort. Il y a un récit de la vidéo, maintenant, je vous remercie de la chaîne, le prepa-bac-fr.blogspot.com. Je vous laisse le lien dans la description. Le chapitre ou tahlil avec les figures de style et les registres littéraires qui existent dans ce chapitre. Donc, à la prochaine.